aujourd'hui avec Émission Contact, une émission qui vous fait réfléchir sur position dans le monde, la position terre dans l'univers là, présence dans ces barrières que nous pas comprendre, un monde que nous avons regardé mais nous pas maîtriser du tout et nous ouais que ça va prendre pile temps pour maîtriser tout coup on va arriver pour tout bagaille tout monde comprendre tout bagaille. Parce que je dis que nous sommes dans l'ère du Verseau et qu'un pile bagaille va le dire pour la vérité pas le dire. Même dans l'académie, je cherchais tout le temps des mondes qui ont des bases spéciales pour dire non, pour essayer de comprendre dans quel monde que nous vivons là. Mais toujours dire non, que pas vrai que nous avons une galaxie qui a 400 millions d'étoiles et qui a 400 millions de galaxies. Enfin, dans ce cas-là, le multivers, je ne vais pas dire l'univers, encore un multivers tellement gros qui est énorme, que même l'esprit, comme si pas capable de concevoir vraiment que ça allait. Ça veut dire que il n'y a pas un bon bagage que c'est à sous terre seulement, que la vie a existé. En tout cas, la vie ne va pas de forme que le prend sous terre, mais qu'il y a une autre forme de vie peut-être sous de l'autre planète, de l'autre côté, que il y a une autre bagaille qui a fait. Donc, nous avons cherché des mondes d'invités spéciaux qui vraiment des bagailles pour dire nous, ça comme nous, dire nous. Et puis, pendant l'émission, ça, tant pis, pour une petite chaise, pour nous chita, pour un petit cahier, pour nous tout, parce que nous avons gagné une ou deux petites phrases qu'on a écrites. C'est ainsi que m'a demandé de nous aider à m'accueillir sous le podium contact là, Antonio. Merci. Alors, faut moi dire, yo, téléspectateur Antonio, que première émission contact moi fait c'était avec vous. Alors, nous avons rencontré, je ne sais pas si c'est par hasard, parce que bah, les plus hauts faits, les faits. Donc, faut me dire, Antonio, surtout son chercheur relié. Il y a un don par le tout, bon, on ne peut pas parler de ça aujourd'hui, hein, parce que ce conseil soit de commencer avec lui. Mais Antonio, son chercheur, il y a un pile bah, qui est intéressé nous, dans l'histoire pays, nous, que nous ne pas connaît. Et monsieur fait un pile recherche dans ce sens-là, et il me pensait que José Albalban des trois petits bêtes. Sous peut-être qu'il m'ont nouillé, mais on est, hein, Antonio. Juste avant, Lionel, que moi, tenter de répondre à la question là, m'a dit merci pour nouvelle invitation. Ça, il m'a tout profité, saluer tous téléspectateurs et téléspectatrices. Jodi, nous t'avons parlé de l'Atlantide. OK. Que en pile monde pensait, c'est un mythe, et Ouais. nous-mêmes en Haïti, nous avons en pile preuve de l'existence ancien continent ça. Qui était disparaître il y a environ 10 à 12 000 ans. Donc, est-ce que nous avons un rapport nous-mêmes à Haïti avec l'Atlantide, mais Haïtien avec Atlantique, bah on est, non? Bon, nous joignons en pile écrivain haïtien, chercheur haïtien, et dernier en date là pour moi personnellement, c'était docteur Daniel Mathurin de Mathieu. Regret et Mémoire qui fait en pile recherche sous mythe ça pour nous-mêmes qui en réalité. Parce que quel que soit le dictionnaire que on va faire recherche sous lui, il y a pas l'eau de mythe de l'Atlantide. Nous gagnons un grand chercheur haïtien, grand professeur de sciences sociales du passé, tant que Louis Mercier, il écrit sous lui. Nous gagnons un historien haïtien qui est un livre sur l'histoire d'Haïti, Louis Elie, li écrit sous lui. Sans compter quantité jeunes haïtiens qui intéressés par thématique ça, c'est-à-dire Atlantide rapport que li gagnent avec Haïti. Haïti. Mais il dit que Haïti actuellement ta dernier pointe sécurité de l'Atlantide là, c'est vrai? Mpap di se pa vre, men mpap di tou se vre a 100%. Pou ki rezon? Si ke nou pran, par exemple, Bahamas, nou pran l'île de Cuba, nou pran l'île d'Haïti, se trois endroits, trois zones côté recherche archéologique yo, recherche géologique yo, prouver effectivement te gagné dans zone ça yon terre qui disparaît comme si Bahamas plateau les Bahamas comme si l'île d'Haïti comme si Cuba c'est un point qui t'a plus élevé dans le continent ça. Mais cependant et spécialistes en géologie yo yo joine trace Atlantide, c'est dans fond marin entre Cap Vert
et les petites Antilles, c'est-à-dire principal et continent, c'est dans la zone salée effondrée. Nous-mêmes, ce qui ça nous base, c'est vestiges Atlantide que nous joignons en face Florida à Bimini, vestiges Atlantide que nous joignons au large de Cuba, vestiges Argentine que nous joignons au nord de l'île d'Haïti, entre Puerto Plata et Fort Liberté. Mais qui c'est vestige ça veut? Premièrement, nous capables de référer nous à un prophète américain, Yotirele Edgar Cayce. Peut-être vous entendez parler de lui. Oh, ce sont les moins lignants. Vous posez quelle que soit la question sur le passé, le futur, sous problème santé, libre réponse là. Il c'était premier monde dans le 20e siècle qui a annoncé que il pral rejoindre trace Atlantide continent ça qui disparaît là. Effectivement au large de Bimini entre les Bahamas et la Floride, il a rejoint une structure qui pas capable naturel. C'est une série de constructions qui by plusieurs formes qui montrait te gagnon peuple qui te maîtrisé l'architecture très bien, qui te construit bâtiment sa vestige l'irrité au l'âge de Bimini. Les noirs plus loin, si nous prenons Cuba, pour moi-même, c'est Cuba jodiant qui gagne vestige qui plus extraordinaire. Ah bon? Parce que conseil de chercheurs, Wyss, yo joignent des temples, des maisons qui ont style temple, yo joignent pyramides. Ah bon? Yo joignent en pile construction au large de Cuba. Alors, bien sûr, ils font des constructions sous-marines. Sous-marines. Actuellement. Oui. Actuellement. Ok. Les Noirs allaient dans le nord, République Dominicaine, j'aime toujours parler entre Puerto Plata et Fort Liberté. Ça, c'est le premier vestige qui t'a attiré l'attention de nous-mêmes. Il y a environ 15 ans, c'est un jeune étudiant moi qui était pour document ça à bon moi. Et puis les mal approfondi et puis moi saisi qui ça lié. Et son question que on croit que ou même tout ou sensibilisé par lui déjà Lionel. Ou contendez astronaute yo. Les qui a laissé la terre pour aller dans la lune, yo kon di dans zone yo relé triangle Bermude là. OK. Yo gon lumière j'ai audi en créole capitaine mourir l'humain mais l'eau sous terre là on a avion pas reli mais l'eau ou laisser atmosphère là on a espace interstellaire là où ouais lumière là mourir l'humain et bien semblait c'est un cristal qui dans sommet une pyramide qui a même grosseur avec pyramide de Gizeh nous découvert depuis plus de 20 ans entre Bahamas Fort Liberté et Puerto Plata. Si nous rentrons en Haïti, nous songez, avant la découverte, Haïti pas habité par Noirs Africains tant qu'il y a. Bien que Christophe Colomb ait rencontré des mouns qui ont un visage négroïde. Ok. Qui s'est passé? Où t'es gagné les Caraïbes? Où t'es gagné les Siguarios? Ou te gagne les Siboney, youn nan pep sa yo, pat construit en pierre. Pourtant, si ou allez par exemple aux environs du port de paix, à l'île de la Torche, si ou allez et nan zone limonade, où tout le monde connaît limonade vin très connu en Haïti ces jours-ci à cause de l'université dominicaine construit fait nos cadeaux entre guillemets mère qui à la base cadeau ça sont haïtiens qui gen un nom espagnol même son gène nom li c'est de la croix seulement de la croix en créole exactement et c'est manque de nage quoi m'passe si non en bien m'appelle non en bien m'ai rencontré magistrat ça il pas magistrat encore mais il était candidat dans la dernière élection yo dans ministère de la culture et puis il était expliqué que dans commune limonade yo joignent yo était un monde mais c'est tellement monde ça
présenté en forme spéciale. Spéciale. Et puis là qui ont fait fouiller là dans ni, yo c'est pas terre vraiment. Yo ouais son structure en pierre qui bien arrangé. Mm-hmm. Donc son pyramide. Songez que m'te dit ou ni Caraïbio, ni Siguarios, yo ni Siboni yo pas construit en pierre. Ouais. Mm-hmm. Donc pour moi-même, ça c'est une vestige, c'est une trace que mm-hmm. nous gagnons en Haïti. Aux environs de la tortue. Gon bande à un paquet de grottes. Et que Antoine Salgado, dans un livre que je lis très bien, exactement, ouais. Les hauts lieux sacrés du sous-sol haïtien, ouais, ouais, ouais. Mm. On série de grottes, on série de structures, statues, mm-hmm. qui dans la zone ça, Caraïbes pas de construire, Siboney pas de construire, et nous capables de dire Taïno pas de construire. Mm-hmm. Et esclaves nous, c'est-à-dire ancêtres nous, les hauts vins ici, yo pas gain temps pour que yo te érigé de pareille construction ainsi que les colons parce que c'est des grosses statues, c'est pas des petits bagages extraordinaires qui gain plusieurs mètres de haut et puis qui gain peinture là-dedans yo et si nous aller plus près là en pile monde par contre secret ça très souvent yo parle de grotte de Tommaso non son qui relé d'Alman dans un monde qui relé Caeli plus précisément entre Cornillon et Tommaso gain une série de vestiges que Antoine Salgado te découvri dans zone là, il parlait de ça dans livre là. Par exemple, tombeau pour Salgado qui était cap tombeau Maya. Et pour nous-mêmes, c'est pas Maya vraiment, mm-hmm. c'est-à-dire ancien peuple qui était à vivre entre Guatemala, Honduras, Mexique là. Mm-hmm. Pour nous-mêmes, c'est un peuple spécial qui te gen capacité pour te construire en pierre, qui te vive époque nous relé époque mégalithe là, qui te à la base vestige ça yo que nous joignent yo environ au moins 3 dans yon périphérie qui pas dépassé 5 km carrés. Oui, demain les livres en effet moi que en pile d'abord faut me dire pourquoi sauté suggérer mal les livres ça d'ailleurs. Très bien. Et grand pile grotte vraiment que alors ça sont l'autre thème qu'on t'a tourné dans l'émission ça parce que affaire grotte en Haïti sont mystérieux et tout. Qu'on pas qu'elle bailler raconter sur grotte, dit que grotte connecté à l'autre côté ou que quelque part l'autre côté on dit les allant grotte autant des bruits, l'autre bail qu'a fait l'autre côté là bon comme si c'est vrai, son vrai m'a pour je le faire visiter deux trois grottes. Mais il y a pas le jour d'un grotte spécial. Par contre c'est pas grotte Saint-Jean ou ça non. Par contre tu peux moi pas au courant de ça, me connaît presque toute grotte nous plus fort grotte nous spécial. OK. Bon qu'est-ce à part de statut ça qu'est-ce que joindre dans grotte encore? Eh bien, yo joindre par exemple des blocs de pierre qui extrêmement bien taillés. Mm-hmm. Par exemple, gagne une grotte yo ouverture dans son cercle lié. Oh. Qui mesurait quelques moins de 1 mètre. Pourtant, l'eau rentre en dedans, li son véritable temple que lié. Ou songez, Salgado te même dit, li te rencontre une dame qui vient protestant Tommaso, qui racontait li de qu'on a servi yon serpent qui te a évolué, qui t'a vivre dans grotte ça. C'est dans ouvrage Salgado. Donc toute structure qui à l'intérieur yon nan principal grotte yo yo pas gen rapport avec moun ka pratiquer l'artisanat. C'est un moun qui maîtrise la géométrie, qui maîtrise yon science initiatique, qui arrive construit espace sa yo qui c'est de véritable temple. OK. Mais est-ce que moun ka veye gote? Nous croyons que il y a des gens qui servent dans la grotte. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a des gens qui veillent. Ah bon, jusqu'où y a alors? Jusqu'à présent. Ok. C'est-à-dire à des moments spéciaux dans l'année, il y a une série de gens qui organisent des cérémonies. Soit ça a un rapport avec le vaudou, ou du moins, il y a une initiation dans une société secrète spéciale qui a un rapport avec et esprit ou autre qui habite l'espace ça. Parce que gagne yon quand pile l'étranger qui entre ici qu'elle cherche yo gagne bailler chercher dans grotte yo et me songe que Yol Josué te raconter mon leur
que des étrangers qui étaient venus dans le gros toujours dans le bagage, ils prennent le vol avec lui. Bah, on le fait venir, ils ont bloqué mon aéroport. Ils ont fait retourner avec ce que je là. Ça veut dire que, quelque part, c'est pas un bagage pour être avec lui. Par contre, est-ce que c'est l'ethnologie qui occupe le bagage de ça? Okay. Est-ce qu'il y a des gens qui ont surveillé? Est-ce qu'il y a des gens pour commercialiser le gros toujours? Par contre, vous faites pas le visiter, parce que les gros qui étaient fonds, tout. Ouais. Donc, vous connaissez que l'émission aujourd'hui, objectif li c'est pas parler de Gwotyo bien que Gwotyo c'est une nan preuve qui prouve une civilisation très avancée qui a évolué sous terre d'Haïti avant l'arrivée des Indiens. On seul bagage qu'on capable dire tant que Gwot Portapiment gen Gwot qui aux environs de Jérémie gen des spéléologues français qui étaient venus en Haïti faire de recherches sur yo. Il y a une mairie qui cherchait à approprier l'espace qui commence à rentabiliser. Okay. Mais pour Gwot Tomaso, pour Gwot la tortue, pas de bagaille comme ça. Depuis 1862, Haïti produit un rhum à la saveur unique, le prestigieux rhum Bardancourt. Un goût raffiné, un gage de qualité. Aujourd'hui, c'est dans sa nouvelle bouteille élégante et racée, vêtue d'une nouvelle étiquette, que vous découvrirez l'arôme inimitable du véritable rhum haïtien. 3 étoiles, 5 étoiles, rhum blanc et réserve du domaine. Avec les rhums Bardancourt, goûtez la richesse du jus de canne de notre terroir dont ils sont extraits. Bardancourt, un engagement d'excellence et une tradition qui s'inscrit dans tous les moments de la vie haïtienne depuis 1862. Choisissez votre bouteille chez votre vendeur habituel. Le rhum Bardancourt se réinvente et reste toujours le rhum des connaisseurs. Ok Antonio, nous pas entrer trois fonds dans le aujourd'hui, hein, parce que nous avons l'état dans le top. Nous allons pas tourner sur l'Atlantide là. Côté, il y a tellement de choses que vous dites, comme si sur l'Atlantide, que vraiment des locs à Mando, est-ce que c'est vrai, c'est vrai, parce que je dis non, civilisation bien, tout à fait extraordinaire, il parle en plus de cristal, tout. Sans qu'on ait de bas, ça. Côté de sortir. Lionel, Atlantide, c'est un sujet qui intéressait en pile monde de l'Antiquité à nos jours. Premier grand écrivain, philosophe, chercheur qui écrit sur l'Atlantide, c'est Platon, le fameux Platon, élève de Socrate. Sujet ça a été si tellement intéressé Platon, il a abordé dans deux livres. C'est Timée avec Critias. Et Platon lui-même, il faut comprendre, c'est Critias, tonton, qui était allé en Égypte, bien que Platon a fait un paquet de voyages en Égypte, qui était rencontré un prêtre égyptien pour la première fois, qui était parlé, Critias, de l'existence d'un continent à l'ouest qui était sombré en bas la mer, et puis Critias, en fonction des explications que le bail Platon, Platon vient écrit sous sujet A et lui écrit, pardon, Critias et lui écrit Timée. Ensuite, ou joignez un grand écrivain, mais il parle moins abondant que Platon, c'est Hérodote, le père de l'histoire, qui écrit sous sujet A, mais n'a prêté à Platon. Tout le monde songe, le grec yo te besoin véhiculer en connaissance, yo te utilisé la mythologie. Et tout mythe yo toujours gen des vérités cachées là-dedans. Nous songe, en pile monde te dit la guerre de Troie, yo parlé dans Iliade bagay kon ça pas jamais existé. Et puis archéologue nan fait recherche, joine trace ville effectivement, tout le monde admet jodi an que la guerre 3 a existé. C'est ça que fait, en plus chercheurs commencent prudent, pour avancer, même avec des scientifiques. Linéaires, ça veut dire des gens qui disent bon Dieu pas existé, esprit pas existé. Ils disent qu'ils font très attention parce que si 3 a existé, Atlantide capable d'exister. Bon, l'autre bateau qui existe. Exactement. Eh bien,
c'est Platon sérieusement qui t'a fait allusion à existence continent ça comme une civilisation qui était extrêmement avancée. Moi-même détail que me plus fait confiance c'est description Edgar Cayce nous t'ai cité tout à l'heure là. Selon Edgar Cayce et nous pas oublier Charles Berlitz tout qui parlait de Haïti qui dit que il y a deux villes haïtiennes semblent qui étaient existées à l'époque de l'Atlantide, une était en face Cap Haïtien, li en bas de l'eau aujourd'hui, l'autre là était en face Port-au-Prince, li en bas de l'eau. Et nous même nous pas parler des bagages qui pas gain preuve pour. Et docteur Mathurin t'es si un noir sur blanc en bali que deux villes ça yo t'es existé une là d'ailleurs quoi, ça qu'en face au Cap là littéralement Ben Salem et Charles Berlix les villes ça Ben Salem tout. OK. On nous retourner à existence de l'Atlantide. Selon Edgar Cayce, c'est en trois occasions sous une durée de 50 000 ans, Atlantide te connaît fait face à des catastrophes naturelles. Et si nous référons à la géologie, à phénomènes sismiques et volcaniques, qui pour à zone Caraïbe, vous senti effectivement gon bagay qui t'est passé tout d'un vrai. Pour Cayce, gon premier effondrement qui fait, on parti dans continent aller. On deuxième fait environ 20 000 ans. Premier là. Premier pardon, 50 000 ans, deuxième dans 20 000 ans, troisième dans environ 10 000 ans avant Jésus-Christ. Donc aujourd'hui ça va nous environ 12 000 ans. Selon Cayce, qui rentre dans détail ça Platon t'a annoncé en ce qui a trait à développement que civilisation ça a été atteint non. C'était une société qui était arrivée maîtriser presque toute énergie connue que un scientifique était capable parler de li jodi an. Semblait gagne une force, une énergie yo capter à partir de soleil là. Nous pas dit c'est énergie solaire nous-mêmes. Parce que en pile initié relé ça la face cachée du soleil. Et c'est avec une série de gros cristaux, cristal, que yo capté énergie ça permet bateau circuler en ballon mais même bateau ça li voler dans l'espace. Télévision existait, téléphone existait. Et bon grande question qui n'a posé aujourd'hui par rapport à Haïti. Bon métal que Atlantio te utilise un métal blanc qui te bon dureté extraordinaire. Et tout le monde qui connaît docteur Mathurin, il a changé. Docteur Mathurin te parlé de yon minerai ou les iridium que c'est Haïti avec Afrique du Sud qui gagne la plus grande quantité dans le monde et qui vend extrêmement cher, très très cher, que Haïti possède entre l'Éogane et Jacmel, plus précisément à Tom Gâteau. Et métal atlant que t'es relié Oriclac. Et grande question à poser tête nous, est-ce que c'est pas Oriclac ça jodi an que en plus en plus grande puissance braqué sous lit en Haïti que y aurait les iridium nan? Oui, bon, iridium nan et c'est un son métal qui est très très recherché, qui est extrêmement cher, on se coûte des milliers de dollars d'année. Et en ce sens ça, on dit que Haïti est très riche parce que nous charge nous avec nous charger. Le grand pile iridium boy site, ça crée nous parce que nous prend un peu là déjà. Je suppose à titre expérimental il prend en quantité. Oui, oui, oui. Mais si on montait iridium semblait nous posséder à ton gâteau. Et vous connaissez dit que iridium ça est nécessaire pour voyage interstellaire. Exactement. Laisser voyager à travers le système solaire, à travers les étoiles parce qu'il est extrêmement résistant. OK. Donc, yo dit que en Atlantide système d'éducation était extrêmement élevé, que société était divisée en deux classes. Li gen on série de moun qui semblait être des aristocrates qui maîtrisaient la science extrêmement bien et qui était très spirituel tout.
et puis bon l'autre groupe qui était très matérialiste. Et dans pile livre ancien, surtout livre israélien, nous parlait ça qui a étonné en pile chercheur de fils de un et de fils de Bélial. OK. Et il dit c'est dans confrontation entre les fils de un et fils de Bélial, dans mauvaise utilisation énergie qui contenu dans cristallio dernier effondrement t'est arrivé fait parce qu'il était mal manipulé yo. Et ça qui drôle songez que nous parlions de pyramide là pyramide en face Puerto Plata en face Fort Liberté qui gagne même dimension à pyramide et en Égypte la pyramide de Gizeh prend en face Cuba encore Cuba gagne plusieurs li même gagne une là dans aussi qui même dimension selon encore Edgar Cayce pyramide que nous en Égypte que aucun ingénieur aujourd'hui n'a pas qu'à construire eh bien c'est Atlantio au moment continent après disparaître et ça va nous étonner personne aujourd'hui hein les nous l'église les nouveaux savants, tout le monde rencontré pour yo dit que le monde là en face une catastrophe. Et m'pral approuvé un bagay encore à partir de forces armées. Qui t'aime tout aborder? Ancienne l'armée d'Haïtien, tout le monde connaît. Il était un parti là-dedans qui était relé la marine haïtienne, c'est armée de mer là. Après l'armée a fini craser. Nous avons une chance de récupérer des cadres de géographie. Et en fonction de recherches que nous avons fait avec un pile l'autre haïtien, nous connaissons que yon pays tant que les États-Unis ont fait un pile recherche sous phénomène que nous sommes capables de relayer catastrophe naturelle, séisme par rapport à Haïti. Et qui ça, un pile savant américain, te dit? Et dit toujours, yo constaté que terre d'Haïti a quitté la mer, la montée. Effectivement, dans une carte ça yo, nous te wè, yo écrit en balle que terre d'Haïti a monté chaque année de 2 cm par rapport à niveau de l'eau, à niveau la mer. Et pour un pile savant, c'est la remontée de l'Atlantide. Et puis, faut chercher et dit, en pile document sous connaissance scientifique que les hommes te maîtrisé, en pile trésor, en pile richesse, yo pral remonter très bientôt, mais malheureusement, c'est à la suite yon catastrophe naturelle. Pour nous retourner à Égypte, document écrit, trésor, yo dit, c'est dans les Caraïbes, il y a besoin d'une partie. Une partie en bas Sphinx là qui à l'entrée des pyramides. Et puis, l'autre côté que nous ne connaissons pas. Ce n'est pas sans raison que les Wis, juste côté yo sorti dans le nord continent européen, yo intéressé à recherche en Haïti parce qu'ils ont fini de faire recherche au Cuba. Et grand pile moun ki di nou pendant avant tremblement de terre là pendant intervention 1994 là soldat wisio chercheur wisio te fait en pile plonger dans lac Azuéi parce que pour eux même encore tout te gon ville Atlante dans espace ça encore. Alors est-ce que ça peut expliquer tout le monde s'est débarqué dans pays après tremblement de terre là tout tout pays ça. Peut-être yo konnen bon gros catastrophe qui pour arriver et le catastrophe ça arrive yo konnen grand pile connaissance qui pral à la porte monde là et bien yo intéressé pour yo premier monde qui gèt accaparé parce que yo wè nous mêmes c'est avec nous pas nous pas intéressé par richesse nous chita bromé entre nous ouais la pause n'a tourné tout de suite.
Depuis 1862, Haïti produit un rhum à la saveur unique, le prestigieux rhum Barbancourt. Un goût raffiné, un gage de qualité. Aujourd'hui, c'est dans sa nouvelle bouteille élégante et racée, vêtue d'une nouvelle étiquette, que vous découvrirez l'arôme inimitable du véritable rhum haïtien. 3 étoiles, 5 étoiles, rhum blanc et réserve du domaine. Avec les rhums Barbancourt, goûtez la richesse du jus de canne de notre terroir dont ils sont extraits. Barbancourt, un engagement d'excellence et une tradition qui s'inscrit dans tous les moments de la vie haïtienne depuis 1862. Choisissez votre bouteille chez votre vendeur habituel. Le rhum Barbancourt se réinvente et reste toujours le rhum des connaisseurs. Oui, mais Antonio, tout ça, on va dire extrêmement intéressant. Et alors, on a dit que Gemoun qui dit que tout gros pays, ça, des pays de nous même, nous pas même dans les mêmes qui débarquent en Haïti après tremblement de terre, c'est pas par hasard où ils viennent en Haïti. Gon bagay que tout le monde se regarde à chercher, que on connaît peut-être que nous même nous allons ou même pas qu'on nous fait comme si nous pas qu'on est, mais gon bagay à chercher dans le pays, mais que on n'est pas capable de venir. Lionel Pablié, ou font pile recherche. Le Christophe Colomb débarqué en Haïti, il était dit il était à la recherche du paradis. Christophe Colomb était toujours pensé que Pavoum côté roi Salomon était venu chercher richesse, il était construit temple lien, c'était bon ici, nous même nous pas dit c'est vérité. En pile archive au Portugal, en Espagne, prouvé que dans la zone nouillée, la Caraïbe, c'est une zone spéciale, c'est une zone qui a gagné des bagailles extraordinaires en matière de développement qui a déjà fait là déjà. Songez que m'dou en pile recherche fait sous phénomène Atlantide là. Ok. Yo répertorié environ 25 000 documents qui écrit sous lui déjà. Et nous-mêmes nous parlons li. Tout ça qui est important, nous dit c'est rancé mon apprenti. Eh bien, étrangers eux-mêmes, yo fait recherche et d'abord en pile richesse yo gagné, y a exploité presque fini épuisé. Yo besoin continuer exister et yo gagné preuve que bagay sa yo pa existe l'autre côté, c'est dans Caraïbes là et Haïti c'est yon là-dedans yo. Gan pile spécialiste sous question Atlantide là qui remet focaliser seulement sur Haïti pour Atlantide. Nous même thèse pas nous et pas ça lié. C'est la Caraïbe en général, particulièrement Bahamas, Haïti, l'île d'Haïti et Cuba. Cependant, nous cap dit que nous même nous avant nous gain plus avantage dans vestigio comparativement à la République dominicaine. Et réfléchis Lionel, Haïti gain environ 49 000 kilomètres carrés environ l'île d'Haïti, mon y compris. OK, pour qui ça la France malgré tout argument historique qu'al ba ou t'ai choisi rester dans parti pa nous. Et le la France te la par 27,750 km². C'est entre Christophe et Soulouk, yon vin augmenter territoire que nous gen. On connaît Inch, tout Saint-Michel du Latala était pour parti Est, la parti Espagnol, l'actuelle République Dominicaine. Et ou ta pensé que terre qui ta plus rentable, c'est ta Plenio qui situé à l'est de l'île, particulièrement République Dominicaine. Français ou choisi zone monnan. Et voilà, avec Monan, la France est une première puissance. Donc, ça m'a dit réfléchir en pile. Et en pile dans la recherche, yo, qui fait yo, côté yo, jouen trace richesse tout le monde, yo, c'est en Haïti. N'a pas les deux, ça cap vini. Iridium, nous pas contre salié. Yo, ti quantité l'eau Haïti possède, capable de développer Haïti pour contre lui. À l'aise. C'est pas seulement l'eau non noir que sénateur l'a toujours parlé de lui, non? Bon, l'eau noir, bon, l'eau noir même, son petit parti qui est en Dominicanie. Tout le gros parti, c'est
c'est en Haïti, plus gros parti aïe. Donc, effectivement, soit garder selon ça, mon yon a dit recherche, nous avons un sous-sol qui est extrêmement riche, et il y a pas l'empile de bail ça, ces jours-ci, sous-sol haïtien. Pétrole en grande quantité. Pétrole en masse. La Gonave, nous pas peur dire ça aujourd'hui. Hein? Ouais. Ça où les pétrole offshore, là. Pétrole exploité bol en mer. La Gonave, c'est un côté plus riche en pétrole. Gaz naturel, plein de cul de sac riche, gen l'eau, caradeux, gen iridium, marbre, en grande quantité. Grande quantité de marbre. Quant à Molson, on a même gagné monnaie avec matériel pour faire ciment. Bah, son pays extrêmement riche. Mais, un problème, comme si pour nous rentrer peut-être qu'on est dans le bail, ça y est. Et quand il y a un peu de temps, il y a un peu de temps autour de tout le bassin qu'on y a là. Jean-Pierre, qu'on y a là. Chaudi en même. Ouais. Donc, l'essentiel, c'est entendre, oui. Pour nous, t'as entendu. Et je vais dire l'autre histoire encore, Lionel. Moi-même, moi connais une société initiatique. Un groupe de monde qui gagne une révélation depuis le 1er janvier 2003, à partir d'un phénomène qui était passé d'Elma. Nous pas bay des détails aujourd'hui parce que nous pas autorisé. OK. Moun sa yo yo annoncé carrément que Haïti qui est en pile richesse. Richesse sa yo, nous pas en parler de diamant, yo dit ouvertement, Jacques Mel pas gon terre comme ça qui gen diamant la donne. Et bien, ou connaît est-ce que ça qu'a expliqué alors? Bon c'est vrai. Pour qui ça route de l'amitié ça? En pile monde toujours dit. Ah oui, au de l'amitié. Pourquoi ça au de l'amitié? Pourquoi ça c'est Jacques Mel? Il est de l'autre côté la France qui aller. Mais puis mon français tout Jacques Mel. Iridium n'a pas oublié là le tout. Ah oui. Jacques Mel et Léogane. Oui oui oui. Donc comment on va que nous pas dire comment on va que jondia quoi haïtien pas chercher qu'on est, nous pas chercher lui, nous pas chercher qu'on paye nous en bien, nous paye là, nous là dedans nous. J'en passe le passé, bagaille mais bon bagaille qui passe autour de nous-mêmes. Que nous pas prendre temps pour regarder, nous pas prendre temps pour étudier, nous pas prendre temps pour observer tout. Comment? Et Gauthier Black va me barrer tout Lionel. OK. Et moi t'ai rencontré avec un diplomate en 2008. Là ça, t'ai gagné un cyclone qui les Georges. Faut la pluie a tombé. Et puis diplomate là a dit nous qui Jean Haïti son pays qui est important. Et puis diplomate a te montré nous. Il montré nous quatre Haïti. Avec route la donne à droite, à gauche. Et puis, dans les gens là, ils ont pas mentionné nos Haïti dans la nouvelle carte là. Oh. Et les noms des diplomates là, ça qui passe comme ça, diplomate a montré nous à droite carte géographie. Côté tout route, toute bagaille faite en Haïti, ils montrent nous en référence biblique. C'est Ésaïe 61. Si me pas trompé moi, c'est dans verset 12 ou verset 13 côté yo dit yon plantation pour l'Éternel. Mais en anglais, yo écrit a true house for the Lord. C'est alors que diplomate a expliqué nous que grand pile citoyen américain yo connaît que Haïti c'est de lui surtout yo parler dans le livre d'Ésaïe, surtout Ésaïe 64, 65, 66. Et Haïti pral étonner le monde, richesse Haïti gagnée. Donc moun sa ou getan préparé yo pour yo vin établi yo dans pays d'Haïti. Donc c'est nous pas organiser nous, c'est nous pas planifier rien, mais en pile étranger gen gros projet pour yo vin vivre exploiter richesse pays d'Haïti. Non seulement un gros projet mais on voit que bon c'est pas une nouvelle moi pour tout le monde grand pays étranger cache tête déjà. Vous entendez ça? Vous entendez? Pourquoi papier terre moi? Moi même tout. Même dans les qu'un pile cache tête ça reste tel en mode bah au saut du bataille de l'ordre grand pays diamant Jacques Mel. Non pour le monde qui va courir Jacques Mel va chercher. Non excusez-moi capable préciser pour. Et groupe ça révélation au gain dit que changement haïtien. Au point de vue économique, c'est pas Jacques Mel qui va commencer. Et une prophétie qui a été annoncée accompli déjà. En 2003, il a été annoncé son nécessité pour Haïti construire hôtel et un pile hôtel pour commencer à construire en Haïti. Et l'aime garder dans 10 dernières années,
moi ouais quantité hôtel yo me dit effectivement ça me gon bagaille qui pral fait parce que yo dit tellement nous pral gen étranger qui pral venir en Haïti nous va un côté pour nous accueillir c'est hôtel meilleur investissement bon monde ta fait jodi an yo c'est dans hôtel que lié c'est parti hôtel bordel yo non ouais ouais non alors m'a dit mon yo me kon dit non toujours prendre un petit papier dans crayon parce que tout mon monde qui gon bagaille spécial bon dit tout ça Antonio m'a dit là bon Antonio me connaît Antonio depuis longtemps m'a dit que c'est première mission contact sans avec Antonio une session qui a cherché en pile et même information là bon aujourd'hui me pas compte toute information ça d'accord peut-être connaît parce que des documents d'accord consulter mais là moi même suis en pile pour mon capitaine dire pour connaître toute richesse qui dans pays mais c'est devoir nous Lionel pour nous informer peuple haïtien un peuple que nous grand pile d'être envers eux parce que nous ouais yo bon problème c'est vivre dans chire pit chien manger chien parce que le jour où on entend que tout bon il a fait miracle dans le monde non son pays qui parle moi quoi moi même quoi personnellement parce que tout ça me donne je pense que son pays qui parle étoiler le monde effectivement et même depuis année ça apparemment et il y a un bail qui a fait un petit changement un petit bail mais et bon bail je te dis mon l'heure de payer pendant de surface Haïti pas surface pays pas exactement ça veut dire comme si les plus Lionel qui vous fait dire bagaille ça Lionel moi même moi gagné plusieurs spécialités en sciences sociales et jodi an n'a dit quel que soit géographe qui gagné pour yo réfléchir son phénomène le wap calculer surface d'Haïti est-ce que si Haïti c'est en pleine mais c'est ça m'a dit c'est ça au chanel m'a dit et mon avec monio exactement l'on fait calcul monio façon que monio compliqué hein sous ta gon cône en géométrie ou a fait surface cône là c'est pas même jour fait calcul surface pleine là exactement pour moi même territoire Haïti il y a des plus c'est ça même grande quantité de kilomètres carrés oui. Et content Lionel du fait que me pas de cône au mathématicien pas mathématicien mais c'est extraordinaire ça audien d'ailleurs mon en géographe démentis-nous, prouvez-nous le contraire parce que nous t'arrêmes à apprendre. Oui. Même ça, c'est thèse par nos que liés. Oui, parce que va-t-il confirmer? Non. Et voilà que nous avons le deuxième monde qui gagne même thèse là avec parce nous. Parce que ça n'a pas pour nous, Haïti, c'est combien de kilomètres carrés? 27 750 kilomètres carrés. Les plus que ça, les plus que ça, vous voyez vraiment. Des mondes, des mondes. Exactement. Bon. On chante de ouais ça hein bon regarde on va que battement ce côté qu'on est tout. Il ne va jamais discuter. Va jamais parler de ça du c'est pour faire parler de ça. Mon cher m'apprendre bail ça. Bagadiser par hasard son mon qui fait ouais ça en le. On dit qu'être mais c'est vrai tu as dit que pays a grand monde mais si sur des cas pour tout le monde ça on se retard aller. Ouais qui surface ça bail. Son bail phénoménal parce que les app dit que c'est surface pays c'est ça il est beaucoup plus que ça. Comprendre. C'est peut-être ça même bail de pétrole il a dit yo même dit tout nous autant de pétrole que plus gros pays gagne pétrole normalement parce que le gros pétrole là son bail tête chargée lié c'est pas tête chargée c'est pas bail joué ouais et la Gonave plateau central la plaine du cul de ça une plus grave erreur l'état haïtien fait c'était quitter moun à l'habiter la plaine du cul de ça nous même nous verrons gaz naturel en plaine et gan en pile prospection qui était faite sous Jean-Claude Duvalier dans les années 1970 vestiges prospection ça a toujours existé à Carade. Donc mais est-ce que bon pas qu'on est sur va aller reprendre année ça sur pour retourner dans prospection parce que moi-même gain grand monde qui dit mon là ça ce moment même déjà me parler l'émission monsieur dit les grands terre côté qu'on invite les amis vin ben il gontain qui passe sous terre là mais si on a bébé au social qui sur l'eau comme si qui crête dans cheveux là ça me dit waouh dis monsieur c'est pas invité me venir mais on le sous terre là monsieur dit n'importe qui là même pas j'aime rejoindre le téléphone chez malheureusement même à chercher probablement jeune parce que mon dieu que zone côté monsieur là il compte même mal vendre et petit morceau là dans hanche dans marché là ça bon et puis après l'étranger j'ai acheté zone ferrier zone terrier rouge yo mon bien crochu. Gen des moun même jour dans télévision moun a cherché l'eau dans rivière je sais l'eau comme ça même gens oh. C'est information pas circulé oui okay. Gen des moun qui déplacé à l'acheter once l'eau dans mode nan à revendre en Dominicaine normalement oui au Caraïbes côté terrier rouge non zone ça yo ouais
ferrier, zone monte organisée, terrier rouge, etc. Zone ça ou gen rivière qui gen l'eau là-dedans. Yo pas en grande quantité, mais gen des malheureux ak malheureuses qui nan rivière là, kap chèche parmi sable, retirer l'eau et moun vin acheter l'eau al pa la République Dominicaine. En tout cas, mes amis, c'est tout comme ça, la mission ça a fait. L'eau a tellement volé vite, tellement bas, par exemple, dit, Antonio, je me remercie encore une fois. Et j'ai l'impression que n'a pas obligé de tourner parce que nous avons beaucoup épuisé le sujet, mais nous avons quitté mon là parce qu'on est arrivé. Comme d'habitude, ben, n'a pas obligé de couper contact là, mais n'a pas reprendre très bientôt. À bientôt.